Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais juste vous rappeler une chose, que y ait confinement ou couvre-feu, ça peut être une bonne chose. Et qu'encore une fois, bien le gouvernement, l'État a pris des mesures très tard, hein, avant ce confinement, ils auraient pu réagir bien avant. Je vais juste vous signaler une chose, c'est que ne pas tomber dans le piège de la polémique du masque, parce que depuis quelques temps, un peu moins, là, on voit qu'il y a une hausse du corona. On voit qu'il y a une hausse du corona. Et donc, il y a, forcément, on parle un peu plus, mais à un moment donné, on parlait beaucoup moins du corona, mais on faisait plus la polémique sur le masque. Est-ce qu'il sert pas? Est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est pas bon? Alors, moi, j'ai fait une réflexion sur ça, parce que il y a beaucoup de gens qui disent que ça sert à rien. Voilà. Mais au moins, il y a quand même, pendant des années, hein, et encore aujourd'hui, les chirurgiens, les infirmières utilisent ce masque médical, ce masque qu'on a aujourd'hui, que tout le monde a, à la maison, chez soi. Et encore une chose, c'est que, oui, les médecins utilisent ces masques-là, mais il n'y a pas la même manière de l'utiliser. Aujourd'hui, on voit cette nouvelle mode de avant, on avait les arbres magiques pour avoir une bonne odeur dans la voiture. Aujourd'hui, on a les masques magiques. Encore une chose, c'est encore une fois, le problème, c'est que les médecins, les chirurgiens, quand ils ont ce masque-là, le prennent, le mettent, font ce qu'ils ont à faire et le jettent. Combien d'entre vous ou combien de personnes prennent ce masque-là? On rentre dans le magasin, on le met, on sort, on prend, on met dans la poche. On le met sur le rétro central de la voiture en mode arbre magique. Les médecins, les chirurgiens n'ont pas cette même manière d'utiliser le masque. Il n'y a pas la même manière de l'utiliser. Et ce qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que vous le mettez dans la poche, vous le mettez comme par terre, voilà. Il y a toute une autre manière d'utilisation de masque. Une fois, mettez le masque, voilà, c'est pour vous, c'est pour personne d'autre. Mine de rien, la polémique sur le masque, c'est un débat qui sert à couvrir un peu des choses qui n'existent même pas. Hein, on va parler du complot, on va parler de ci, de ça, non, ça on va pas en parler. Je dis juste, ne tombez pas dans le piège dans la polémique du masque. Il y a 135 euros d'amende si on ne met pas le masque. Bon, vous mettez, déjà vous n'avez pas d'amende, vous restez même pas, vous avez grande chance de ne pas être infecté, entre guillemets, c'est pas toujours le cas, mais enfin bon. Bon, on met pas dans le piège du faux, il ne faut pas porter le masque. Le masque, voilà, les chirurgiens vont porter depuis toujours. Je me suis fait opérer une dizaine de fois, j'ai fait, voilà, j'ai fait 10 opérations. Je n'ai jamais eu de soucis particuliers après une opération. Donc c'est le masque d'une certaine manière il marche en général. Après, est-ce qu'il marche réellement pour le coronavirus, pour cette grippe qui a l'air d'être assez virulente, et ça va faire un an, ça crème ce bordel. Donc ne on met pas dans la polémique du masque, est-ce qu'il faut porter, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mettez-le, ça vous assure vous et votre famille et vos amis. Et encore une fois, si on ne peut pas sortir, enfin, là, c'est pas le cas nous, mais dans la région parisienne, où ils vont instaurer un couvre-feu. Voilà, les gens, ils râlent. Mais il faut penser aussi, et d'une certaine manière, le corona est en hausse. Alors, après, les chiffres, ça, c'est pas la question. Pour ceux qui parlent de complot, encore une fois, ouais, le complot, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas, on s'en fout. Hein, on s'en fout, il n'y a que les super motifs qui vont trouver des trucs complètement aberrants. Mais encore une fois, il faut être un peu logique. Le taux de corona monte, forcément, il y a des coins où on va devoir confiner ou mettre en couvre-feu. C'est logique. Ça tombe juste avant les vacances de Poussin. Oui. Mais si on continue à laisser traîner, déjà il y a eu un retard sur les prises de mesure. Ah ouais,
forcément, et puis ça va faire un an, et puis il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres, il y en a des pays qui s'en sortent moins bien, mais ça après, c'est aussi au bon vouloir des gens. Hein? Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le masque aussi, n'hésitez pas à faire des recherches, mais ne tombez pas dans la folie, est-ce qu'il faut porter oui ou non le masque? C'est voilà, c'est honnêtement absurde de se poser la question, on remet et puis c'est tout. Hein? Après, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ça, c'est autre chose. Si. On va sûrement nous dire dans 4 semaines, 6 mois, que effectivement, pour du masque, oh, nécessaire, pas forcément si, pas forcément bon, le virus, quand même, passe à travers. Bref. Mais on n'est pas dans cette polémique qui, au final, c'est un débat sans fin. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ah, je vais la sur une de mes vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis comme d'habitude, préparez-vous bien. Et dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ciao!